Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Une humanité ayant un sens d'elle-même en tant que communauté planétaire composée de personnes interconnectées, ayant le sens d'être une famille, soudée, respectueuse d'elle-même et des autres, à l'esprit inclusif, cette communauté sera autonome. Elle se gérera par elle-même, sans l'aide de quiconque, et surtout sans l'aide d'extraterrestres, car de leur côté, c'est ce qu'ils attendent des terriens. Des terriens qui sont capables de gérer leur communauté et la planète, tout autant que de se faire représenter par des conseils de niveau allant du conseil familial jusqu'au conseil planétaire, promouvant la diversité, l'échange et la multipolarité. Le conseil du plus haut niveau, celui de la planète, ce que l'on pourrait appeler un gouvernement supranational, peut être comparé à un orchestre composé de musiciens parfaitement synchronisés entre eux, après avoir minutieusement accordé leurs instruments. Sans cette entente orchestrale et sans cette synchronicité entre les musiciens et leurs instruments, lieu d'assister à une symphonie harmonieuse, le concert ne sera qu'une cacophonie dissonante, une gouvernance incohérente, générant, comme c'est le cas actuellement, chaos et division. Et si cette gouvernance est monopolisée par un seul musicien et ceux qui l'entourent, aussi bien intentionné soit-il, la gouvernance devient un pouvoir local ou une dictature internationale, au mieux une démocratie, monopolisant tout le pouvoir orienté dans une seule direction. L'ancienne version du nouvel ordre mondial qui était géré depuis l'ère victorienne, essentiellement par les USA jusqu'à la nomination du président Biden et par le Royaume-Uni jusqu'au décès de la reine Elisabeth II, cette ancienne version du nouvel ordre mondial, accompagnée par l'agenda 2021, a été dissoute au profit du nouvel ordre mondial version 2.0 qui se veut, en reprenant l'idée de l'orchestre, un ensemble de nations synchronisées entre elles, se respectant, ouvertes au dialogue, à la médiation et à la multipolarité. Pour l'instant, ces musiciens ne s'accordent pas entre eux. Chaque bloc géographique propose sa propre déclinaison de ce que cette gouvernance mondiale et ce que les règles sous-jacentes doivent être, celles des USA, de la Russie, de la Chine, des pays arabes et enfin le Canada et la France, ces derniers promouvant l'ordre libéral. La gouvernance proposée par ces gros blocs géographiques sert les intérêts de chaque ordre établi, celui de leurs anciens mondes. Or, le nouveau monde, comme son nom l'indique, est structuré par une nouvelle organisation avec de nouvelles structures organisées de manière logique, rationnelle et ordonnée. Elle est basée sur ce que l'on pourrait appeler un état d'être spirituel,
je n'ai pas dit religieux, mais spirituel, sur l'écoute, le dialogue et l'échange et la multipolarité. Si ce que nous entendons actuellement à travers le monde est une cacophonie discordante, c'est parce que les dirigeants des grands blocs et des organisations internationales n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au contraire, ils ne cessent de s'opposer. Le vieux monde est géré par de vieux esprits, essentiellement masculins, qui cherchent à faire perdurer leur système, le pouvoir et l'hégémonie. Ils ne recherchent pas un équilibre planétaire en prenant en considération toutes les parties qui le composent. La question est de savoir si les grands dirigeants de notre monde arriveront à mobiliser l'action collective pour établir ce nouveau monde, de nouvelles règles de conduite dans un esprit différent. Quel est le rôle et la place des nouvelles générations, notamment des starseeds, des émissaires stellaires, dans la construction du futur de notre humanité? Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième volet de la série sur les enfants terrestres et extraterrestres et nous allons aborder la question du déploiement du nouvel ordre mondial au travers de la jeunesse internationale. Nous vivons des temps singuliers, une transformation rapide d'une réalité unipolaire à une réalité multipolaire qui génère une profonde instabilité du système mondial. L'ancien ordre libéral mondial servait de fondement à la paix et à la stabilité depuis 1945. Il avait été délibérément conçu par les USA et leurs alliés occidentaux pour empêcher les conflits armés et le nationalisme économique qui en est à l'origine. Mais tandis que tout le monde, ou presque, s'accorde à dire qu'un système fondé sur des règles est essentiel à la gestion de la sécurité et du commerce, une lutte de pouvoir bat son plein pour savoir qui écrira ce règlement et qui veillera à sa bonne application. Face à l'ascension spectaculaire de la Chine au cours des deux dernières décennies, la création du bloc BASIC, B-A-S-I-C, en 2019, qui regroupe les pays nouvellement industrialisés, le Brésil, l'Afrique du Sud, bloc allié à la Russie et qui influence l'organisation mondiale, et face au déclin relatif des États-Unis et de l'Europe, il faut s'attendre à des risques d'erreur de jugement, y compris les mesures commerciales prises par les États-Unis contre la Chine qui augmentent et s'accompagnent d'un effet domino dévastateur sur l'économie mondiale. Nous vivons avec les conséquences de ces décisions tous les jours actuellement. Le monde connaît des niveaux de prospérité et de connectivité jamais égalés, en grande partie grâce à l'ordre libéral mondial. Pourtant, ces avancées s'accompagnent d'une complexité et de risques systémiques toujours plus grands. Face à des menaces allant du changement climatique au progrès technologique massif, le monde a dorénavant besoin d'une gouvernance mondiale stable et compétente. Les nouvelles générations de terriens et l'éducation, avec en son cœur l'apprentissage, jouent un rôle essentiel dans ce contexte
de réorganisation du monde, aussi bien au niveau des éducations institutionnelles et de l'éducation parentale depuis la naissance, consciente ou par mimétisme, les enfants qui agissent comme leurs parents. Beaucoup sont déjà à l'œuvre, de jeunes activistes et militants dont les figures de proue sont Malala Yousafzai, une jeune militante pakistanaise des droits et de l'éducation des femmes qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Ou Greta Thunberg, une militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique qui a fait un discours au siège de l'ONU en confrontant les décideurs politiques à la crise existentielle résultant du changement climatique auquel l'humanité est en train de faire face. Ce sont deux exemples parmi des milliers d'autres qui représentent les changements et les directions que la jeunesse souhaite mettre en place en essayant de faire bouger le vieux monde. Dans tous les pays, à travers la planète, les jeunes luttent pour le droit à un avenir vivable. Malgré les famines, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer, ils refusent d'abandonner les promesses que les générations passées, c'est-à-dire nous, leur avons faites depuis des décennies et que nous n'avons pas tenu. Une action significative dans tous les domaines en faveur des générations futures, nos enfants, nos propres enfants. Ils sont déterminés à lutter contre la dégradation de la planète en recourant à des modes de consommation et de production durables, en assurant la gestion de ces ressources naturelles et en prenant d'urgence des mesures pour lutter contre tout ce qui doit l'être pour répondre aux besoins des nouvelles générations actuelles et futures. Mais n'est-ce pas précisément ce que promet l'agenda 2030 avec l'un des 17 objectifs du Nouvel Ordre Mondial version 2.0 ? La jeunesse internationale s'y engage, surtout dans les pays qui sont encore en voie de développement. Repousser le nouvel ordre mondial sous prétexte de théorie complotiste qui est, je le rappelle, un programme exécuté de toutes pièces par ce même côté que les complotistes dénoncent est purement et simplement un déni de la réalité. Si toutes les générations de Starseeds, des émissaires stellaires, des premières heures, ceux qui ont l'expérience de la vie sur Terre, ne s'engagent pas dans le déploiement de cet agenda, ce dernier, qui est déjà en train de se développer, continuera à se déployer sans que vous ayez votre mot à dire. Vous pourrez continuer à crier au complotisme, le nouveau monde se fera sans vous. Tous les Starseeds, les émissaires stellaires qui ne sont pas encore engagés dans leur mission, doivent maintenant relever leurs manches et se mettre au travail. Tout est réalisable si nous croyons fermement en ce que nous créons pour instaurer, déployer et soutenir le nouveau monde, ce nouveau monde dont nous avons tous et toutes la vision. Je vous retrouve très bientôt pour le volet 4 de cette série consacrée aux enfants terrestres et extraterrestres avec la présentation d'un cas très mystérieux de disparition d'un jeune Brésilien de 24 ans étudiant en philosophie. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie
et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.